Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 8e étape déjà, mais oui, c'est la citerne et je ne suis pas tout seul. Regardez qui m'a rejoint. Salut Julien. Salut Morlock, salut tout le monde. Heureux d'être avec toi car tu vas m'accompagner exceptionnellement sur la citerne. Car je crois savoir que c'est un niveau que tu as particulièrement retenu. Je ne sais pas si tu l'as apprécié d'ailleurs. Alors, je ne l'ai pas encore fait sur le remaster, donc je vais quasiment le découvrir avec toi là. C'est un de mes niveaux préférés parce qu'on pouvait nager. Ah. Et je raconterai en fait pourquoi est-ce que j'aimais bien nager à l'époque. Il y a des raisons. Mais oui, il y a quelques petites raisons, mais pour moi, c'est le niveau qui m'a le plus marqué dans Tomb Raider 1. Je retiens une chose, c'est que pour beaucoup, et dans les commentaires, c'est très visible, la Grèce est vraiment le niveau marquant, hein, quel que soit d'ailleurs les étape, et on dira que les niveaux qu'on a déjà traversés ont beaucoup plu, mais je crois que celui-là a marqué les esprits. Ouais. Alors, la citerne, Julien, je ne sais pas si tu as déjà fait un tour à Istanbul. Non, jamais. Seulement dans Midnight Express. Oui, ça c'est une autre ambiance. On va leur laisser. Mais Istanbul, eh bien, a justement une citerne qui peut faire penser à celle de ce Tomb Raider. La citerne basilique, on l'appelle. Alors c'est une citerne enfouie sous terre. Hein. On l'appelle là-bas Yerebatan Sarnici. Alors j'ai essayé de le dire à ma façon, vous me pardonnerez si ça n'est pas ça. Elle est située juste à côté de Sainte-Sophie, un peu à l'ouest, et fut construite par Justinien dans le sous-sol d'un grand bâtiment à portique, le Basilique, qui donne donc son nom à la citerne. Celui-ci avait été incendié pendant la sédition Nika en l'an 532, alors que la cité se nommait encore Constantinople. On a donc décidé d'y bâtir cette citerne pour retenir les eaux de pluie, parce que lorsque la saison chaude arrivait, on n'avait pas suffisamment d'eau. Je crois que ça te parle, toi, dans le sud des Pyrénées. Hein. Voilà, à Perpignan, on est en alerte rouge fuchsia. Complètement. Alors, il va falloir établir des travaux pour faire une citerne de ce genre. Tu pourras t'y baigner pour de vrai. Oui. Mais il faut savoir qu'elle devait servir à ça et qu'elle pouvait contenir 78 000 mètres cubes d'eau. Elle mesure 138 mètres sur 64. Les parois des murs font 4 mètres d'épaisseur. C'est en briques et c'est recouvert d'un enduit hydrofuge. Bien entendu, pour que l'eau ne s'échappe pas, 336 colonnes la garnissent, elles sont en marbre et sont réparties en 12 rangées de 28 colonnes. Voilà qui est un bel ouvrage, ça se visite aujourd'hui comme un monument tellement c'est beau. Et les images en témoignent. Alors cette citerne de Tomb Raider n'a pas de colonne, mais elle fonctionne sur le même principe et ça s'en inspire un peu. Et elle a une particularité, Julien, c'est qu'elle est difficile à traverser. Énormément. T'as des souvenirs avec tout ça, je pense. Oui. Alors clairement, le niveau, je m'en rappelle plus beaucoup. Clairement, hein, je vais pas mentir, mais je me rappelle que, et c'était l'un des avantages de Tomb Raider à l'époque et des anciens jeux, c'est que le jeu durait un an tellement tu galérais à aller chercher. Non, c'est pas par là. Et oui, c'est par là. Donc, il avait donné du fil à retordre celui-là, et puis les mines de Nat là aussi, c'était une catastrophe. Mais maintenant, ils paraissent tellement simples. Maintenant, c'est incroyable, quoi. C'est vrai que la durée de vie était quand même énorme, hein. J'en ai ce souvenir aussi, parce qu'on galérait à trouver la solution, on n'avait pas Internet sous la main en 1996. Alors, petite précision, la vidéo que vous voyez là n'est plus en 4K, j'ai décidé de revenir en arrière après un petit sondage. Vous avez été nombreux à suivre cet avis. C'est vrai que, quelque part, comme je l'ai lu dans le rapport La face cachée du numérique de l'ADEME, la fameuse agence de l'environnement, faire du streaming en 4K, ça fait mal à la planète, figurez-vous. Alors, la meilleure astuce, c'est de télécharger les vidéos. Quand vous êtes sur YouTube, vous pouvez le faire et les regarder ensuite. Ou alors, de les regarder dans une moins bonne définition, parce que la 4K, c'est beau, mais voilà. Et franchement, je pense qu'on a fait le tour des premiers niveaux en 4K. On a vu ce que ça donnait. Je crois qu'on peut se contenter du Full HD. Je vois que vous êtes 76% à avoir retenu ce format. Oui, que disais-tu, Julien ? Non, je t'ai coupé, mais la différence, elle n'est pas non plus... Voilà, on va s'en sortir. Hein. Et puis, je dois vous avouer aussi que ça prend beaucoup de place sur mon disque dur, donc je vais finir par ne plus en avoir et je devrais m'arrêter là en plein cours. Ça serait dommage.
Alors un premier commentaire évoque, c'est un petit mail qu'on m'a envoyé en réalité, évoque les différences entre l'avant mise à jour et l'après mise à jour. Vous savez qu'il y a une mise à jour qui est sortie, tu l'as peut-être vu Julien, toi aussi. Oui, et donc, je ne l'ai pas allumé encore avec la mise à jour, c'est toi qui me l'as fait découvrir avec les vidéos, du coup je découvre quoi. Et on voit les différences, notamment dans le palais de Midas justement, où tu l'as vu la dernière fois, il y a un ciel désormais lorsqu'on est magnifique. Dans l'épreuve des portes avec des codes. Et ce ciel n'était pas là, hein, même dans la version juste avant la mise à jour. On avait juste une ouverture ronde qui a été remplacée. Et notre ami Luc, qui m'a envoyé ses captures, me permet de vous les montrer, car comme j'ai enregistré le jeu après la mise à jour, bah, vous n'aviez plus la possibilité de voir comment c'était avant. Voici donc une petite visualisation des lieux. Autre commentaire très sympathique, ma foi, pour me dire que Lara, désormais, lorsqu'elle tire des balles, on voit des douilles tomber. C'est vrai que je n'avais pas mentionné ça, si ce n'est dans la visite en direct. Il y a des douilles qui tombent dans l'eau même, hein, c'est super bien fait. Ça te rappelle pas l'un des Tomb Raider, Julien ? Le 3 ou 4 ? Le 4. Et le 3, 4. Tu as raison. Je crois que dans le 3, 3, oui, hein, dans le 3, tu as raison. Elle le faisait aussi dans le 3. C'est vrai que c'est... J'ai pas osé contrecarrer le Gandalf de Tomb Raider. C'est bien mais le 3. Il n'y a 3. Pas de doute. Maintenant, je l'ai en tête, ça y est. Voilà, donc ces effets-là ont été améliorés. Et puis, c'est Betty qui me disait que lorsque Lara range ou sort son fusil, eh ben, elle fait une petite génuflexion. Alors, j'avais pas remarqué ça, mais vous voyez les détails, à quel point ils sont poussés. Tout comme les flammes, lorsqu'on était dans l'épreuve des flammes la dernière fois, eh bien c'est Tony qui me signale que ces flammes produisent de la suie sur le plafond. J'avais pas pensé à regarder au plafond. J'ai pas regardé. Et voilà, donc on a bien ce genre de petites attentions qui sont franchement très bien vues de la part des développeurs, hein, on est d'accord. Mm. Est-ce que tu as essayé d'avoir des trophées, Julien, toi, dans le jeu ? Alors, j'en suis au niveau 2. Alors, t'as peut-être pas eu beaucoup de trophées encore. J'ai pas le temps. Je rêverais de le faire, mais un jour viendra. Je m'y pencherai. Mais je connais ton esprit retors et je me doute que tu auras plaisir à brûler Lara à l'occasion. Oh, bien sûr. Tu l'as fait plus d'une entre fois. Autres, entre autres. Ce garçon est sadique. Et donc, vous pourrez brûler Lara dans l'épreuve du feu. C'est vrai que j'avais enregistré la séquence exprès pour vous la montrer la dernière fois. Mais tu me connais, Julien, j'ai oublié. Il y aura d'autres occasions. Donc je vous la montre aujourd'hui, pour le coup. Si vous faites passer Lara dans les flammes, vous êtes trop long à traverser l'épreuve du feu du palais de Midas, eh bien faites-la tomber dans l'eau pour éteindre le feu et vous aurez un trophée. C'est tout bête, mais ça marche comme ça. Voilà. Et ben, la petite erreur qui va bien aussi, Dionysos, que j'évoquais la dernière fois, est le fils de Zeus et non pas de Silène. Silène n'était que son précepteur. Dont acte. Voilà. Je vous laisse aussi évoquer le petit message de Giovanni. Il nous parle du trophée ou succès « Il était temps ». Et pour l'obtenir, on avait lu qu'il fallait tout simplement observer les différents dispositifs temporels. Je m'étais demandé la dernière fois ce qu'il fallait faire en plus de ce cadran solaire que nous avions regardé ensemble. Eh bien, vous le voyez, oui, c'est aussi la pierre du soleil qui est un dispositif temporel. Je vous l'avais dit, on le considère comme un calendrier. Ce n'en est pas tout à fait un. Mais voilà, vous l'avez observé comme moi et vous avez observé le cadran solaire et vous aurez donc le trophée. Merci Giovanni Croft. Bah, je crois qu'on va pouvoir commencer le niveau, Julien, donc on va découvrir cette citerne. Eh bien, allons-y. Eh bien, nous voilà à l'intérieur du niveau, Julien. Regarde ça. Eh bien, ça y est. Ça brille. Hein. Alors, comme tu le constates, j'ai voulu voir ce qui se passait si on remontait dans le palais de Midas, mais il a disparu. Je ne sais pas où il est passé. C'est joli quand même. C'est joli quand même. Hein. La vue plongeante sur Lara. Joli, hein. Oui, jolie vue plongeante. Alors, si tu te souviens bien, on entre dans la citerne par le palais de Midas et on arrive dans un lieu où on se retrouve fermé. Moi, la première fois ici, j'ai cru que j'étais vraiment enfermé. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un bloc au début. J'étais un peu perturbé. Hein. Je me suis toujours demandé ce que foutait ce gondin. Alors, j'appelle ça des gondins, des rats gondins. Des rats. Il y a des gondins, voilà. Je me suis toujours demandé ce qu'il foutait là, lui, tout seul, là. Alors, il n'y a pas de logique dans les jeux vidéo, hein, mais ça m'a toujours fait rire. Moi, je me suis toujours demandé s'ils avaient survécu depuis les siècles passés, dans ces lieux, enfermés dans une cellule, comme on le voit là. Ouais. Donc on constate en effet qu'il y a un rat enfermé, qu'on a un levier qui est inaccessible. Donc, si on a poussé le bloc dans l'autre pièce...
ça va pas marcher. Donc là, petite seule solution, puisqu'on ne pouvait pas s'accrocher au levier dans ce Tomb Raider, et ben, il fallait déplacer le bloc. Non seulement pour ouvrir la porte au rat, mais tu l'as vu, hein, ouais, pour pouvoir atteindre enfin la citerne, car on en est tout proche. Et alors il ne faut pas oublier hein, de fouiller. Ici, trousse de secours qui va bien. Alors la citerne est toute proche, on va pénétrer à l'intérieur. Je vous montre ici qu'il n'y a rien au-dessus de nous. Et ce qui est intéressant ici, bah, c'est que tout d'un coup, on constate qu'on a un lieu immense, une musique magnifique. Oh là là là, j'en ai encore des frissons, je te jure. Et comme tu le vois, bah, toute une faune à éliminer. Hein, qui sont là depuis des centaines d'années. Oh oui. C'est d'ailleurs dans cette vidéo, je crois, qu'il y a 15 ans, tu as fait le... D'ailleurs, si tu peux le mettre au montage, j'aime pas beaucoup. Lara des ratiseurs, la société qu'il vous faut, machin. Alors ça, je ris à chaque fois que je le vois. Tu m'en as encore reparlé dernièrement, c'est vrai. Oui, je la glisse. Je la glisse ici, il n'y a pas de problème. Et on va continuer à dératiser les lieux. Croft, la société de dératisation qu'il vous faut. Des rats ont envahi votre domicile. Appelez Lara Croft, elle saura quoi faire pour vous en débarrasser. Bon, tu vois, le niveau est toujours aussi beau, grandiose. Ce qui était perturbant, c'est qu'on arrivait là, on se disait « Oh là là, mais on va commencer par où, là ?» Parce qu'il y en a un peu partout. Alors, on est un petit peu perturbé. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on va regarder la manière de suivre le bon avec itinéraire. Avec les puits de lumière. Ouais, ça, c'est le petit rajout. Ça n'a rien à voir, c'est monstrueux. Et même... Mais quand t'arrivais sur PlayStation 1, quand t'arrivais dans une pièce comme ça, ça paraissait immense. Ah oui, 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 complètement. Parce qu'on sortait de Mario et de Sonic, tu vois. On se disait, mais comment le moteur fait pour gérer tout ça à la fois Alors qu'en fait, c'est tout petit. Oui, au final, si on regarde bien, c'est tout petit. Comparé à des jeux d'aujourd'hui, évidemment. C'est ça, il y a 30 ans, c'était autre chose. Mais je trouve que c'est toujours aussi merveilleux, les gargouilles sont bien faites. Et puis, on a toutes ces portes. Alors, on constate très vite que les portes qui sont là sont fermées. On s'en rend très vite compte. On a des serrures. Ah, bah oui. Tu as vu les reflets ? Oui. Tu as vu le reflet, là ? Il y a un petit reflet d'eau. C'est vrai que j'ai pas mis... On se rend pas compte, mais il y a des reflets d'eau sur les... Sur le plancher, ouais, tu le vois. C'est magnifique. Et puis ces petites gouttes d'eau qui tombent du ciel aussi, qui tombent du plafond. Ça, c'est joli. On est dans une vraie citerne. Alors, tout au fond, là-bas, on aperçoit la sortie du niveau, on peut le dire, avec ces reliefs, avec des têtes de bœuf ou de vache, je ne sais pas trop. Et cette porte-là, qu'on voudrait bien pouvoir aussi ouvrir, on a toujours une serrure. Et là, j'ai voulu vous montrer un élément très important. On va le faire avec le mode photo, c'est que si on ouvrait la porte, on tomberait dans des pieux, donc on ne pourrait pas passer. Et tu te souviens que l'objectif de la citerne, c'est de jouer avec le niveau. Le niveau d'eau. Exactement. Alors certains commencent tout de suite le niveau en restant dans les hauteurs. Moi, je préfère commencer par là, dans la citerne elle-même, enfin dans le bassin, parce qu'il y a déjà... Il y a un secret, un secret, le premier du niveau, évidemment, qui est caché là. C'est fou à quel point ça revient comme ça. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, je crois, hein, quand on a été marqué. Surtout que celui-là, j'étais content parce que dans ma première partie, moi, je l'avais trouvé immédiatement, je crois, assez vite en tout cas. Et tu n'as pas manqué d'apercevoir une petite ouverture sur le fond là-bas. Alors celle-là, on va éviter d'y aller maintenant parce qu'elle conduit à un autre bassin dont on ne peut pas sortir tant que l'eau est à ce niveau-là. Voilà, c'est important de le dire. Ça, c'était ingénieux hein, de dire aux joueurs de penser à devoir monter tel ou tel niveau pour avoir accédé à tel ou tel truc, c'est pas mal. Tout à fait. Et... Pour l'époque, encore une fois. Tiens, regarde les flaques. Les flaques qui sont magnifiques, elles reflètent vraiment le reste du lieu. Ouais, c'est super bien fait. Hein. C'est ça qu'on appelle le ray tracing, je sais pas quoi, les reflets. Ah, je ne connais pas le terme. C'est vrai que... Le ray tracing. Je crois que c'est le reflet des traits dans les. Je crois que c'est ça. Ah, c'est super bien fait. Alors ce chemin, c'est celui qui va vous permettre de remonter, de pouvoir atteindre bien sûr les plateformes supérieures et d'atteindre aussi la salle de gestion du lieu, hein, la salle dans laquelle on va gérer la hauteur du niveau d'eau. Alors si vous faites monter l'eau tout de suite, elle va être au niveau du sol sur lequel est Lara. Voilà. La difficulté, Julien, c'est qu'ils l'ont pensé à l'origine, c'est assez rigolo, les développeurs ont pensé le jeu comme un gros cabinet de toilette, comme une cuvette WC. C'est l'idée qu'ils expliquent dans leurs commentaires. Je crois que c'est dans Anniversary. Et donc, leur but, c'était que ça se vide et que ça se remplisse, mais que ça perturbe évidemment l'itinéraire de Lara.
Oui, c'est très bien pensé. Par contre, je crois que tu, une fois que tu montes, t'as pas besoin de redescendre. Voilà. Ça, ça aurait été peut-être intelligent. Ça aurait été peut-être poussé, tu vois, de devoir peut-être monter d'un niveau, puis du deuxième, puis de redescendre pour, tu vois, de gérer beaucoup plus les niveaux. Et bon, tu sais pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Parce que déjà, là, c'est ce que raconte notamment celle qui a fait les graphismes et une partie des niveaux, Heather Gibson, lorsqu'elle a fait ce niveau, l'eau, lorsqu'elle était haute, faisait que Lara se retrouvait hors du décor. Ils ont beaucoup galéré pour arriver à l'empêcher de sortir du lieu et se retrouver dans le nowhere. Ça aurait été un peu triste. Le bruit qu'elle fait là est juste atroce. Avec ça. Ah là là, je trouve ce bruit atroce par rapport au premier. C'est vrai que les sons sont... Il est trop accentué. Sont accentués, ouais, c'est vrai. Ouais. Trop d'exagération. Alors comme tu l'as vu, je me suis emparé d'une clé et d'une boîte de cartouches. Ouais. J'ai éliminé un rat, histoire de dégager les lieux. Et maintenant que j'ai cette clé, la clé rouillée, je vais pouvoir aller dans chacune de ces portes. Alors tu l'as compris, la porte de droite, on va l'oublier pour la présence des pieux. L'eau nous sera utile, mais là ce qui est très important, c'est qu'on est attendu au tournant dans quelques secondes. Et j'en profite vite fait de l'animation, je trouve que tu as fait d'énormes progrès dans ta gestion des mouvements de Lara, où avant tu t'arrêtais à chacun des trucs, maintenant tu traces, tu sautes. Bon, bravo. Le secret est là, c'est que j'ai enfin connecté ma manette PS5 et pas cette satanée manette Xbox, je suis beaucoup plus à l'aise. Ah ben oui, largement. Alors tu te souviens de ce lieu, moi ça me faisait penser à une cathédrale. C'est tout en étage et il va falloir monter, bien sûr. On voit qu'ici, Lara est trop petite. Je ne suis pas assez grande. Voilà. Ça fait même penser un peu à l'architecture de Soul River, je trouve, au niveau des couleurs et au niveau, tu sais, des arches à devoir monter. Je trouve que ça fait un peu Soul Reveresque. Ça les a d'ailleurs inspirés, Tomb Raider, pour composer Soul River. Alors super important ici, vous allez tout de suite, dès que vous serez sur cette plateforme-là, être attaqué par Pierre. Sortez. Il faut redescendre direct. Les magnums. Ouais, pour le trophée. Je crois. Exactement, t'as tout compris. Là, je viens d'obtenir un trophée. On va regarder ça sur PlayStation après. Et voici le dit trophée qui a été baptisé Au Revoir, tout simplement parce que Pierre est français. Donc il s'appelle Au Revoir, que ce soit dans la version originale en anglais ou dans la version française. Alors le but pour que ça réussisse, est-ce que tu connais l'astuce pour se débarrasser assez vite de Pierre dans ce lieu ? Alors mis à part d'aller derrière lui, faire une roulade et lui tirer dessus pour qu'il se barre très vite. Absolument, être derrière lui et encore mieux, se cacher derrière un mur pendant qu'on lui tire dessus. Vous arrêterez de lui tirer dessus, mais lui va se barrer. Souvent ça marche comme ça. Là c'est magnifique. Là on a du grand Morlock. Qui enchaîne les sauts. Wow. Alors bien évidemment, je ne joue pas en direct aujourd'hui puisque c'était compliqué de tout faire. Mais Julien, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai préparé quelque chose. À l'origine, moi je sautais contre le mur, j'appuyais sur action et je me retrouvais dans la petite alcôve avec les cartouches pour les magnums, les balles, les munitions. J'enregistre parce que je vais vous montrer la nouvelle technique maintenant que ça a été enlevé. On ne peut plus faire le saut que je faisais à l'origine, on me l'a fait remarquer. J'ai essayé 20 000 fois, je n'y suis jamais arrivé. Donc maintenant, il faut toujours faire un pas en arrière, faire un saut de l'ange par exemple, ça c'est la première option. Oh là là, quelle classe. Oh c'est beau. Ah, bravo. Je te laisse contempler la seconde étape, est-ce que tu imagines ce qu'on va faire ? Non. Non, on fait pareil, saut latéral après avoir fait un pas chassé sur la droite. Oh, et là, on y arrive aussi. Sinon, vous tombez. C'est de l'art. Et la dernière option pour les moins courageux, vous pouvez aussi tout simplement faire un pas en avant dans ce sens-là et sauter en arrière sans prolonger votre saut. Parce que vous voyez, si vous le prolongez... Ah, ça c'est bien. J'avais gardé la touche reculée enfoncée, elle a prolongé son saut arrière. Je ne savais pas qu'elle pouvait le faire. Voilà, on s'y reprend. J'ai toujours bien aimé la faire mourir. Moi, je vais me faire des ennemis, moi. Mais je crois que t'es pas le seul, au fond. Surtout quand elle a refusé de faire ce que tu voulais pendant un quart d'heure. Ouais. Et voilà la méthode pour rejoindre ce lieu. On peut aussi utiliser, bien entendu, le système qui est en haut. Lorsqu'on n'a pas ramassé les cartouches, on peut passer par là. Mais ce serait dommage de rater ces balles, évidemment. Ah, c'est dans cette salle-là, je crois.
que tu fais. Ah non, c'est pas celle-là. C'est dans celle d'après. Avec... Pas dans celle-là. Oh, mais il y a du nettoyage dans tous les lieux de ce Tomb Raider, de toute façon. Hein. Oui, mais les crocos ne lui disent pas merci non plus. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Alors tu vois, je reste dans les hauteurs, mais après je vais quand même aller face au danger. En n'oubliant pas que derrière moi, il y a un bloc qui va me permettre de me protéger. On était terrifiés quand on les voyait arriver, alors que, en fait, en nomades, c'est simple, au final. Et puis, il y en avait qui se cachaient, t'as vu ? Alors ça, moi, ça, c'était ma terreur, moi. J'ai pas spécialement envie de me retrouver face à eux. Et là, si vous passez sur la partie qui est à droite, dans l'ombre, il surgit, mais alors, inopinément, comme dirait la voix de la SNCF. Par contre, il est sombre. Hein. Ouais, on est d'accord. Un peu trop sombre, hein. Même là, pourtant, j'ai la luminosité du Mac à fond. Et je voulais justement qu'on évoque ce point au moment où nous sommes, parce que j'ai dû remonter la luminosité de mon téléviseur lorsque je jouais sur ma PS, tant c'était sombre. Il y a beaucoup de remarques là-dessus. Il n'y a pas de torche dans le 1. Et il n'y a pas de torche. Ils n'ont pas implémenté. Non, il n'y en a pas du tout. Non, c'est un petit problème dans le sens où on est parfois obligé de revenir au mode ancien côté affichage pour se rendre compte. On en parlait quand on a fait la première vidéo ensemble que sur le niveau 4, la tombe de Kolopek. Ça peut être perturbant. J'avais dû le passer pour me rappeler du truc. Alors tu vois, je faisais le même effet ici initialement, je sautais contre le mur pour tomber près de la porte, petit raccourci qui ne marche plus aujourd'hui. Donc je me retrouve obligé de montrer le vrai chemin. Ce qui n'est pas franchement désagréable, hein. On fait un peu de sport. Mais là, c'est les énigmes qui m'ont plu, moi, dans ce jeu. Comment je vais arriver à la porte qui est en haut ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Et puis gérer les sauts, quel saut je dois faire, puis quand on a fait un, c'est pas le même après. Là, c'est un bon exemple. Tu as vu, je me suis laissé tomber de la plateforme du haut sur la plateforme du bas. Si vous sautez, vous tombez. Et là, le petit cadeau qui fait plaisir. Non seulement nous avons des rats, mais en plus on a des pieux juste en dessous de la rat. Alors on les voit pas là, je me suis retourné normalement. Bon, on les verra peut-être pas. Non, on les verra pas. On les a pas vus, mais on les a tous vus. Ils sont là, ils sont au pied de la rat, donc on peut tomber facilement et se tuer. Tu vois là, c'est sombre. Ouais, c'est super sombre. Super sombre, on se croirait dans le 3 que je déteste. Finalement, ça fait l'effet du 3 complètement. Oh, quelle horreur. On a l'impression qu'ils ont baissé la luminosité en voulant la rendre... C'est ici que t'as fait les rats. C'est ici la société de dératisation. C'est ici. Miss Croft. Alors là, tu vois, c'est le fameux bassin dans lequel on peut se retrouver. On ne peut pas sortir de l'eau ici. C'est trop élevé. Trop élevé. Et tu vois, la luminosité est quand même meilleure lorsqu'on a le mode ancien. Hein, ouais. Pourtant, il y a un puits de jour, mais... Ça marche. Ouais, mais alors quelque part, ça reste un puits de jour, parce que combien de fois je me suis fait la réflexion de, elle est en plein milieu d'une cave et c'est illuminé, donc c'est pas logique. Donc bon, on va pas se plaindre non plus. Moi, je préfère qu'ils aient mis. Tu connais l'expression, toi ? Je la sors d'un ami. J'en connais plein, mais. Dans une cave, ça ne passe pas. Alors, je salue quelqu'un au passage. Mais t'as vu qu'on a une clé là ? Oui, revenons à Tomb Raider. Revenons à nous. Et ça, ça va le finir. Il va falloir aller la chercher. Donc notre pauvre Lara se retrouve obligée de monter au sommet de cette salle. Alors tu sais que moi je crois qu'ils ont voulu rendre le jeu réaliste, mais c'est parfois forcément un peu trop, t'as raison, en mettant des lumières logiques. Ouais, c'est bien, mais ça n'aide pas. Mais quelque part, si on était à sa place, ça se passerait comme ça. Donc on va pas leur jeter de la pierre. C'est vrai que c'est inconvenant, mais on va pas leur jeter de la pierre. C'est réaliste pour le coup. C'est réaliste, donc on peut pas... Alors là, important, t'as vu, je me fais tomber, j'appuie sur action et je relâche action pour tomber sur la plateforme du bas. Pendant que vous sautez, vous faites ça, il faut avoir du recul, sinon c'est mort. Et là, j'ai gardé l'option que j'avais prise la dernière fois, je vais fausser compagnie à Pierre. Je vais le bloquer dans cette salle pour ce niveau. Hop, le voilà. Ah si vous plongez et que vous partez, il va rester là et ne reviendra pas vous hanter dans la section suivante. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Voilà. Mais du coup, t'as le trophée ? Parce que je crois que le trophée, c'est pas tuer Pierre avec les magnums ?
Alors non, c'est le blessé avec les Magnum. Ah, c'est le blessé, c'est d'accord. Le blessé, ouais. Parce qu'on ne peut pas le tuer pour l'instant. Ah, tu montres le levier qu'on ne peut pas avoir accès vu que le niveau de l'eau est trop bas. Voilà, parce que c'est un levier sous-marin. Ça, on ne le sait pas forcément quand on débute dans le jeu. C'est un levier de type sous-marin. S'il n'est pas dans l'eau, on ne peut pas s'y accrocher. Bon, on en a eu qu'un, je crois que c'est à Vilcabamba. Il y en a eu, ouais. C'est vrai, un ou deux, je ne sais plus. Ouais, mais on n'en a pas eu beaucoup. Et c'est peut-être ce qui fait que moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi il était là. J'essayais de sauter vers les hauteurs, je n'y arrivais pas. Jusqu'à ce que je découvre que le niveau de l'eau pouvait monter. Et là, on est reparti à monter pour la deuxième clé. Alors justement, non, pour non. Enfin élever le niveau, mais le niveau de l'eau. Notre niveau. Oui, pour aller après, oui, pardon. Notre niveau restera là où il est pour nous. Hein. Ouais, en effet, on va aller dans la salle de contrôle, elle est juste derrière la rail, il faut grimper sur ce bloc ici. Oh, alors, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, ouais. On sentirait presque l'odeur de la pierre mouillée. Hein. Mm. Moi, j'y suis. Hein. Alors là, si tu rentres et que tu as voulu éliminer Pierre dans la salle d'avant, bah, il revient ici. D'accord. Donc, le but, c'est de lui sauter au-dessus, de se mettre derrière lui et de le faire sortir du lieu. C'est pas évident. Petite interruption pour vous montrer donc ce qui se passe si vous avez attaqué Pierre et que vous l'avez fait fuir lorsque vous étiez dans l'autre bassin. Il peut surgir ici dans la salle de contrôle. Et je le disais, idéalement, essayez d'être derrière lui pour le canarder. Quant à savoir ce qu'il devient quand vous l'avez bloqué, peut-être se noie-t-il ? On en aura la réponse plus tard. Et, fameux levier Julien. La chasse d'eau a été montée. Elle a été tirée. Alors avant d'aller voir ce que ça donne, bah tu me connais, hein, moi je farfouille partout. Bah il faut. Mais est-ce que tu sais pourquoi ? Secret. Pardi. Alors là, je vous préviens, on n'a pas répété avant. C'est vraiment full impro. D'autant que Julien redécouvre le niveau, donc c'est ça qui me fait plaisir, ouais. C'est que je le lui fais découvrir complètement. Bah tu me spoil en fait. Oh, mais bon, c'est pas grave, j'accepte. Tu me pardonnes. Oui, je te pardonne tout, tu sais. Regarde les pierres comme elles ressortent. On voit un relief, là, il y a le mortier, il y a tout, quoi. C'est de la folie. Hein. Alors ici, après... c'est important. Voilà, il faut sauter pendant qu'on glisse pour aller chercher le reste du secret. Et c'est la descente qui va être compliquée. Si vous descendez en vous laissant glisser, vous allez vous blesser. Alors ce que je vous conseille de faire, là, il faut être très attentif, c'est vous laisser tomber, là, il n'y a pas de problème. Et pendant que vous glissez, allez vers la droite, sans appuyer sur sauter. Vous appuyez sur la droite, Lara va tomber sur le côté. Elle va pivoter, du coup, pendant la chute. Elle est quand même intelligente. Alors ouais. Grâce à nous, c'est nous qui les manipulons. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas intelligentes. On n'osera pas dire des choses pareilles. J'ai quand pas même. Envie d'avoir d'emmerdes avec des associations. Non merci. Bon, en tout cas, c'est une salle qui est bien garnie en objets à ramasser. Donc il ne faut pas s'en priver. Et là, je me souviens que combien de fois je suis tombé pendant que je combattais Pierre, moi. Je ne faisais que tomber dans le trou qui se trouve là où je vais me suspendre. Voilà, ici, hop, il y a un trou au milieu qui cache des rats. Et alors, c'est des rats qu'on ne peut tuer que depuis cette ouverture-là, ou celle qui est à côté. Ce qui fait que si tu veux tous les kills, et on va essayer de les avoir, bah, il faut attendre. Alors ça, c'est bien un truc au niveau des stats où moi, perso, je m'en fiche. Les kills, clairement. Et faire moi, les secrets et machin. À l'origine, je passais ce genre d'étape aussi. Et puis, on m'a dit, est-ce que tu peux montrer tous les objets ? Je dis, oui, c'est vrai que ça serait bien, d'autant que certains en font un objectif. Ça fait partie des trophées peut-être aussi, je ne sais pas. Je ne les connais pas tous, mais ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas si long que ça. Hein. On attend un petit peu, on les regarde passer. Là, c'est un autre rat qui va nous pourrir la vie. Voilà, il faut aller vite. T'as vu la taille quand même, moi. Oui, c'est pour ça que c'est pour ça que j'appelle ça des gondins. Ça me fait penser à des rats gondins. Ouais. On en a à Perpignan, là, à 2 km de chez moi, des trucs, mais c'est des dents, c'est des iPods. Ah ben c'est comme ceux que j'ai au bord de la Garonne ici. Hein. Oh, voilà. Alors t'as vu là, si je saute, je vais me cogner au plafond. Donc il faut pas faire un saut vers la plateforme depuis en haut, mais depuis en bas. Ça c'est super important. Mm. Et tu as remarqué les clés ? Les clés, t'as vu comment sont les clés ? Oui. Elles sont redressées. Oui. Alors tu sais pourquoi ? C'est depuis la mise à jour, parce qu'on les voyait pas. On les voyait pas. Oui, mais c'est vrai qu'on les voyait pas. Bon, après le coup de mettre la main, c'est un peu trop assisté à mon goût.
Mais il a été speedrunné, celui-là, ou pas? Oui, 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 j'ai vu une vidéo déjà. Je crois que c'est Timmy Ahmed qui toujours nous épate. Je sais qu'il a refait le 2 déjà le en speedrun remaster. Speedrun du 2 sur Nesblog, là, la chaîne YouTube. Là. C'est de la folie. Hein. Ah, mais c'est un... Ah, regarde-moi ça. Alors, est-ce que je peux du coup parler du pourquoi j'aimais bien nager? Allez, dis-nous. Là. En fait, on sortait donc du coup de la Mega Drive, pour ceux qui ont connu, donc avec École Dauphin. Moi, je suis un mordu de plongée, j'adore nager. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de pouvoir enfin manipuler le personnage en vrai 3D. Parce que quand tu es en train de marcher, tu as toujours la pesanteur qui t'amène vers le bas, donc tu peux pas monter à ta guise. Et là, de pouvoir aller en haut, en bas, à gauche, à droite, tourner et compagnie, je autiste un peu sur les bords. J'ai dû passer des dizaines, mais de nombreuses heures à nager, tout simplement. Et quand j'allais dans la piscine que j'avais à l'époque, eh ben, je me prenais pour Lara Croft et je montais, je descendais et je me faisais la cité de Vilcabamba et la cité hein, dans une piscine qui faisait 6 mètres par 4. Quoi, tu vois. Mais tu as raison d'insister là-dessus parce qu'il y a un sacré réalisme dans cette nage pour l'époque. Le fait de pouvoir diriger Lara en plus à l'inverse des mouvements, hein, c'est-à-dire quand on monte, on descend et quand on descend, mais on ça, monte. Pour moi, c'est logique. Hein. Ouais. Quand tu pilotes un... Alors moi, j'ai déjà piloté un petit avion. Quand tu tires le manche vers le haut, tu montes. Quand tu appuies, tu descends. Donc, moi, les trucs de visée, je n'ai que la visée inversée. Je me fais maudire, ouais. D'ailleurs. Mais pour moi, c'est logique. Pour moi aussi, c'est logique. Alors, ils ont quand même mis des options. J'ai regardé les options. J'ai vu qu'ils avaient mis la possibilité de les inverser si on n'était pas à l'aise. Mais franchement, je crois que ça vaut le coup de les laisser telles quelles. Ah bah, c'est logique, en fait. Quand tu veux remonter en plongée, tu montes, tu baisses l'arrière de ton corps pour monter le devant. Ça me paraît logique. Ah ben voilà, parole de plongeur, donc ça nous confirme bien que l'idée était bien trouvée. Effectivement. Mais j'ai pas fait la citerne, ni le Maria Doria d'ailleurs. Essaye de les faire. Oh, alors t'as vu, j'ai survécu. J'ai un peu allumé le mode ancien pour qu'on les voit bien. Hein, voilà. Parce que sinon on est paumé, on ne voit plus rien. Rien du tout. Mais alors bon, ici me farfouille, je me faufile, je veux dire, dans cette petite zone. On la voit pas forcément lorsqu'on nage dans ces lieux la toute première fois. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, pour pouvoir enfin trouver la clé en or. Et voilà, on a ouvert la dernière porte de la citerne en elle-même. Alors bien entendu, quand on arrive à un objectif pareil, lorsqu'on a récupéré une clé en or, ben on a un copain qui vient nager avec nous. Ce serait trop dommage sinon. Évidemment, le Morlock tombe à l'eau alors qu'il ne voulait pas tomber à l'eau. Hein. Ça... Est-ce que ça t'arrive aussi? Ils sont bien faits. Oui, ça m'arrive, bien sûr. Mais ils sont vachement bien faits. Hein, ils ont fait un travail de fou, les mecs. Clairement. Ah mais, au niveau de la remasterisation, voilà, c'est super propre. Oh, et déjà, là. Moi, je trouvais que les mouvements, déjà, ce sont les mêmes mouvements. Les mouvements des animaux. Étaient bien pour l'époque. Ah ouais, ils étaient réalistes. Regarde les félins, regarde les crocos qui nagent vraiment. Non, c'est... Et imaginons deux secondes, ils font le même travail sur Soul River 1. Non. On en rêve, Julien. Non, n'en parle pas parce que j'espère le jour où ça arrivera. Ça, fallait le trouver aussi, hein, ce secret-là. Je te jure qu'à l'époque, c'est l'une des rares fois où j'ai appelé le serveur Audiotel pour avoir la soluce, quoi. Parce que je voyais qu'il y avait un secret manquant, mais je ne savais pas lequel. Ah oui, et puis tu pouvais toujours chercher, là. Alors aujourd'hui, tu as la main qui apparaît. Hein. Oui, mais voilà, ça c'est con. Mais par contre, je ne sais pas la texture si elle changeait par rapport non, à... elle était quasiment identique quasiment aux identique, autres. Parce que tous les autres, on les voit quand c'est des blocs. Les munitions Magnum. Il fallait vraiment penser... Oui, on a pas mal de munitions. Non, c'est un joli secret en plus. Hein. Ouais. On a les Magnum et on a les munitions qu'il faut. Voilà, et on va un peu cogner Lara pour la faire sortir, mais ça lui fait du bien. Alors là, c'est l'étape finale de la citerne. Bien entendu, ben maintenant qu'on a des clés, on va les utiliser. Mais c'est qu'on se dit, ça y est, on est arrivé à la sortie du niveau. Mais ils sont vicieux chez Core Design. Que nenni. Ben, c'est ce que j'ai aimé, c'est que tu te dis, je suis arrivé au bout. Voilà, mais t'es pas au bout de tes peines du tout. Ouais, tu te dis que t'as les trois clés, ça y est, c'est la fin du niveau. Mais ben non. Donc regarde... Ici, évidemment, une porte fermée. Donc, on est curieux. Et on va aller dans les hauteurs. Alors, il n'y a rien dans les alcôves. Hein. J'abuse du mot, je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ouais, mais ça fait partie du... Oh, voilà. Alors, je retire ce que j'ai dit sur la gestion des... Regarde la fluidité de mes mouvements.
J'étais trop sûr oui, de moi. Oui, mais tu voulais nous montrer qu'on pouvait pas faire comme ça. Bah, exactement, comme voilà. Les profs le font. Quand ils exactement. Se trompent, les profs, c'est parce qu'ils voulaient montrer. Voilà. Non, voilà, je voulais refaire ce saut proprement. Voilà. On peut sauter et directement se réceptionner. Alors, tu te souviens peut-être qu'ici, on a une surprise encore hein, qui nous attend au virage. Alors, vraiment, pas du tout. Là, je ne sais plus. Non, regarde bien là-bas au fond. Regarde. Il y a notre ami King Kong qui nous attend dans l'ombre. Il est vraiment tapis dans l'ombre, donc oui. on le voit pas oh, forcément. Oh, j'avais oublié. Donc moi, je conseille le fusil. À ce sujet, on m'a conseillé dans l'étape précédente du palais de Midas, lorsqu'on doit sauter à l'intérieur d'une petite alcôve depuis un pilier et qu'on est attaqué par un gorille, on m'a conseillé, mais c'est vrai, je le faisais moi-même à l'origine sur PS, c'est de re-sauter en arrière et de le tuer depuis le pilier en hauteur, lâchement, mais comme j'aime le faire. Oui, parce que si tu veux retenter le Nomads, d'ailleurs, il va falloir que je te suive, parce que j'ai un jeu d'avance sur toi. Toi, je sais que tu as été encore plus fort que moi lorsque tu as retenté le Nomads. J'ai fait Anniversary. Enfin, voilà. J'ai galéré. C'est difficile, hein. Ouais, c'est très difficile. Là, en fait, j'essaye de montrer les méthodes pour éviter de se faire mordre, justement. Mais vous pouvez aussi aller face au danger. Hein. De temps en temps, je prends des risques. Alors, tu te mets à l'abri, toi, oreilles, en général Non, moi, je fonce. Tu fonces? Non, pour un, je fonce. Alors après, clairement, je me fais rarement croquer. Donc, je suis pas mauvais, Tomb Raider. Enfin, moi, je me fais croquer. Là, mais... À tous les coups, il y a un bout de la chair de Lara qui est enlevé. À tous les coups. Alors là, j'ai bien montré voilà, qu'il y avait des pieux dans plusieurs trous. Hein. Ce joli damier n'est là que pour nous piéger lorsqu'on attaque les lions. D'optique. Et ce que j'ai aimé, c'est que bah, souvent tu te retrouves aux prises avec ces lions au moment où tu es sur le damier. Oui. Hey. Ah, mais la sortie, elle est en haut à droite. Non. Ou à droite, non ? Elle est en bas. En bas à droite. Elle est derrière ce levier, en fait, la sortie. Et oui, c'est tout l'art de ce jeu, c'est de nous cacher les éléments. On se dit, on va devoir ouvrir cette porte. Bah oui. Moi, j'étais comme toi, je me disais, ah, ben, y a une porte, on doit pouvoir passer par là, monter. Pas du tout. Mais tu sais, si on jouait le jeu de reprendre le jeu et de prendre aucune aide, mais aucune, et de sans parler de faire tous les secrets, tous les trucs, si on devait refaire le jeu, je pense que dans 8-10 mois, on y est encore, parce qu'on se rappellera pas de tout. Alors, de mon côté, je dois t'avouer que, bon, à part quelques petits détails, je les ai tellement répétés à la base. Toi, tu les as poncés, toi, tu les as pas poncés, tu les as lustrés, toi. D'autant que je faisais l'ensemble des Tomb Raider tous les ans pendant plusieurs années, donc c'est devenu une maladie chez moi. Mais j'avoue que j'ai été surpris lorsque j'ai fait la vidéo en direct sur le 2. J'avais complètement oublié comment on devait regagner la zone des T-Rex. J'étais comme un benet. Alors voilà, bon, la salle que tu Internet. Évoquais, c'est vrai qu'on peut grimper, mais on n'a pas ce qu'il faut pour grimper. On a un levier, alors on se dit, bah, on va appuyer sur le levier. Mais bien évidemment, il ne fait pas ce qu'on attend. Qui a dit des jeux intelligents? Le levier ne sert qu'à fermer cette porte ou l'ouvrir. Parce qu'il s'avère qu'on peut entrer dans cette salle par le haut. Ce qui fait que si on se retrouvait à l'intérieur en rentrant par le haut, on ne pourrait plus en sortir. Tu vois l'intelligence des devs. Oui. Ils ont quand même pensé à ça. J'imagine que peut-être qu'au début, ils n'y avaient pas pensé, je sais pas. Imagine. Et dis donc, Roger, on est bloqué dans ta pièce, là. Ah merde. Ah bon, bah on va mettre une porte, alors. Remarque, dans Tomb Raider, on avait trois. On avait bien des portes invisibles qui faisaient que si on avait sauvegardé, bon, on pouvait plus bouger, on pouvait plus sortir du jeu. Ne parlons pas du 3. Mais je l'aime, moi, le 3. J'aime me faire mal. Voilà la sortie, Julien. Ah bon, mais il fallait que je me cogne pour l'occasion. La sortie est juste à côté du bloc, donc derrière le bloc, en réalité, qu'on vient de tirer. Alors, on a deux options. On peut entrer par la salle en tirant le bloc à l'intérieur du damier, en direction du damier en tout cas, là où se trouvent les lions, et en grimpant dans les hauteurs. Mais on peut aussi passer par là. Alors c'est le chemin envisagé, comme je l'expliquais dans la visite d'origine. Si on passe par l'étape du damier, hein, si on va vers le damier et qu'on monte, les rats qui sont en haut, désolé de gâcher le suspense, mais les rats vont s'animer très tardivement, ce qui laisse penser qu'ils ont imaginé qu'on allait passer par là. Sinon, je ne sais pas pourquoi il y aurait une salle pareille à côté. Elle est douée, parce que déjà qu'on a du mal, des fois, à mettre un meuble entre deux portes, mais elle arrive à foutre un bloc. Là, il faudrait une équipe de déménageurs, ouais, pour alors, y arriver. On en a une, on a Lara. Hé, hey, Lara,
non seulement elle élimine les rats de chez vous, mais en plus, si vous avez besoin d'un déménagement intense... Déménageur hein, breton. Admire-moi ça. Les gondins. Les gondins. Bon, c'est pas les plus terrorisants, mais c'est vrai qu'ils arrivent souvent quand tu t'y attends pas. Donc, ouais, mais t'as vu la taille des trucs. Ouais. C'est... Ah, je fais pas long feu, moi, là. Il faut regarder, je vous le conseille, le nanar zombiver. Ce sont des marmottes zombies. Ah, regardez, c'est rigolo. Après il a fini. Après l'attaque des tomates tueuses. Alors là, je montre qu'on a tout ce qu'il nous fallait, les 34 kills, il y en a 34, et les 28 objets. Voilà, vous avez pu les voir. Alors j'ai dû recommencer le niveau deux fois, Julien, j'ai honte, parce qu'à chaque fois j'avais oublié un objet, un seul, tout simplement parce qu'il était à l'intérieur d'un animal mort. Donc on ne le voyait plus. Ouais, ça fait ça parfois. Dit comme ça, c'est... À l'intérieur d'un animal mort, ben oui. Il n'y a que moi pour faire ça. Oh non, c'était un rat qui avait avalé l'objet. Et voilà, on a terminé le niveau avec tout ce qu'il fallait. Donc 29 minutes, alors qu'on a dû mettre 8 heures la première fois. Oh, ne m'en parle pas. Je crois que j'avais même désespéré de pouvoir en sortir de ce niveau. Moi, j'avais abandonné à l'époque et j'étais revenu un peu plus tard parce que je finissais par me dire, mais... Quel est le niveau d'eau qu'il faut à chaque fois, c'était pas bon. Ça t'en dégoûte même des fois. Je crois qu'à l'origine, tu dois bien actionner 7 ou 8 fois le levier pour le mettre au niveau qui te convient, pour arriver à comprendre ce qu'il faut faire. Moi, j'étais perturbé par le bassin, comme je le disais, dont on ne peut pas sortir. Parce que je me disais, mais si on ne peut pas en sortir, alors il sert à quoi? Et c'est qu'il fallait remplir, tout simplement. Bon ben voilà, un niveau qui nous aura marqué à tous, je crois, et qui nous offre un joli trophée pour avoir fait mal à Pierre avec des magnums. Bon. Eh ben écoute Julien, merci beaucoup d'avoir été de la partie. Merci à toi de m'avoir convié à dicter ce niveau avec toi. En espérant que ça ait plu à tes abonnés aussi. Enfin, du moins, ça les ait pas trop dérangés, du moins. Mais écoute, c'était cool. C'est super moi, cool comme exercice. Ça m'a fait très je plaisir. Je reviens quand tu veux. Eh ben écoute, on refera ça. Il y a pas pour de problème. Pour le 2 surtout. Pour le 2. Pour le 2, c'est celui que Julien préfère. Hein. Ah, on l'a bien compris. Un peu. Il y a pas de problème. À très vite, mon cher Julien. Longue merci journée. Merci de ton invitation. Plaisante nuit. Aujourd'hui, nouvelle interview, vous avez pris l'habitude, et je suis très heureux d'accueillir Sly. Salut! Salut Christophe! Alors on te connaît bien du fait du site que tu gères depuis pas mal d'années maintenant, c'est Tomb Raider et compagnie. Alors, c'est une passion pour Tomb Raider, j'imagine, qui t'a conduit à le créer et à le faire évoluer. J'ai envie de te demander, à quel moment tu as connu le jeu pour commencer? La série? La série, voilà. La série. Oui, ouais. Tout à fait. Alors c'était en 99, du coup j'avais 4 ans à ce moment-là. En fait je regardais mon père, du coup jouer au jeu à cette époque-là. J'étais vraiment trop jeune pour jouer à ce genre de jeu. Puis c'était compliqué je pense de contrôler le rat à cet âge-là. C'est sûr, encore un je dirais qui a découvert ça, bah, je dirais à côté de ses parents. Oui c'est assez souvent le cas dans les interviews que je fais. Hein. C'est ce que j'ai remarqué également. Ouais. Et donc après tu as essayé vers quel âge de prendre en main la manette? Alors je pense que c'est quand je suis plus arrivé au collège, vers la 6e, un truc comme ça. Parce que j'ai laissé passer un petit moment entre le moment où mon père a arrêté de jouer, donc dans les années, je sais pas, début 2000 je pense, et le moment où j'ai vraiment appris la manette, un peu plus tard. C'était sur quel épisode? Alors j'ai beaucoup joué à Tomb Raider 2 finalement, c'est vraiment peut-être pour ça que c'est celui de mon préféré par la suite, hein. C'est vraiment le jeu auquel j'ai plus joué quand j'étais jeune. Puis après j'ai commencé du coup, alors je sais plus c'était quand exactement, la 6e, mais j'ai commencé à jouer à Tomb Raider Legend, etc. Les jeux qui étaient plus à la mode à ce moment-là. Et je vois bien que c'est Tomb Raider 2 qui a ta préférence, vu le décor que tu as choisi. Alors non, tu ne t'es pas dématérialisé à Venise, hein, bien entendu, mais c'est un très bel effet. On voit Lara qui est en train de surgir de l'eau. Ouais, elle est derrière. Ouais. Elle est derrière. Un opus qui t'a attiré, pour quel motif? Est-ce que tu as des éléments qui te permettent de l'expliquer en tout cas? Alors je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie, parce que c'est vraiment le premier par lequel j'ai commencé, donc ça joue pas mal je pense. Et dans les premiers Tomb Raider de Cœur de Zinc, c'est un de ceux où il y a pas mal d'action, j'aime bien l'action. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis dans celui-ci. Et il y a beaucoup de décors différents, beaucoup de lieux visités par Lara qui sont vraiment assez nombreux. Par rapport au premier jeu, il y avait que 4 destinations, là il y en avait pas mal.
très varié également. Vous voyez de l'urbain, de la neige, enfin, y a pas mal de choses. C'est vrai qu'en plus, les décors sont quand même, pour l'époque, sublimes, hein, y a pas à dire. Tu as continué donc pendant toutes ces années et tu as découvert les remasters cette année. Quelle a été ta première réaction le jour même de la sortie? Alors, première réaction, j'avais vraiment hâte d'y jouer. Le truc, c'est que j'étais pas dispo, je devais remonter au Mans chez mes parents, justement, j'avais un truc en famille, donc j'ai dû attendre 48 heures avant de pouvoir mettre la main sur le jeu. C'était pas facile, mais du coup, j'avais qu'une hâte, c'était rentré, effectivement. Mais du coup, ouais, non, je voulais vraiment commencer par Terre 2, mais je me suis obligé à faire les jeux dans l'ordre, comme peut-être beaucoup de monde, je sais pas. Je crois que c'est une bonne initiative, ouais, j'ai fait pareil. Donc du coup, effectivement, je me suis mis sur le premier jeu, et donc j'ai découvert petit à petit, je me posais plein de questions, alors j'avais quelques réponses avant la sortie des jeux, mais j'ai découvert que les scènes en temps réel avaient été aussi remasterisées, etc. Les FMV, pas tellement, mais il y a quand même un petit upscale qui avait été fait. Et donc voilà, c'était vraiment beaucoup de plaisir de replonger dans ces jeux. Alors, satisfaction au total de ce qu'a fait l'équipe d'Aspire? oui, correctement. Satisfait. Ouais, satisfait. Moi, je dis Aspire. Ouais. C'est vrai qu'il est fidèle à ce qu'on attendait finalement. Il n'y a pas de trahison. Je crois que c'est le mot que j'aime employer personnellement. On s'y retrouve. Alors, tu as choisi quel gameplay justement, le mode char ou tank ou pas? Alors, j'ai testé les contrôles modernes dans le premier jeu. Alors, avant le patch, j'ai pas retouché au jeu depuis que le premier patch est sorti, donc je sais pas trop si ça a été amélioré ou pas. Mais j'ai testé du coup les contrôles modernes, j'ai été jusqu'au palais de Midas avec. Et c'est là où il a fallu commencer à enchaîner des sauts assez compliqués, et j'ai dit bon là je vais pas y arriver. Et effectivement, je suis revenu sur les tanks contrôles, les contrôles de char comme ils ont traduit ça. Et donc pour la petite anecdote, moi je joue sur Xbox et j'ai branché mon clavier sur l'Xbox et ça fonctionne, donc du coup je joue avec mon clavier. T'avais peut-être commencé à jouer à l'époque sur PC alors? J'ai beaucoup joué sur PC, au tout départ c'était sur PlayStation, mais finalement après ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que je joue sur PC. J'ai fait un tout petit peu de speedrun aussi à un moment donné, donc voilà, je suis vraiment plus habitué au PC. Oui, avec, okay. C'est vrai, des contrôles un petit peu plus souples quand on les connaît bien évidemment. Oui. Et donc tu as poursuivi sur le 2 et le 3 déjà ou tu n'as pas encore eu le temps de les finir? Alors j'ai fini le premier et le deuxième, j'ai pas fini le troisième, je me suis arrêté étonnamment au début des gorges de Mettre Debout, j'ai pas encore testé le kayak. Sera-t-il aussi complexe? Je crois qu'il y a des raisons de penser que oui. Oui, oui, je pense aussi. Ça reste, je crois, l'un des opus les plus difficiles, si ce n'est le plus difficile, hein. Je sais pas de ton avis. Ouais, c'est vrai, et il est quand même très beau TR3 aussi, avec ce remaster. Bah, comme tu l'as compris, moi c'est celui qui m'avait fait découvrir la série et bah, moi c'est celui-là qui m'avait touché le plus malgré les défauts scénaristiques. Donc finalement, oui, tu sors de ce remaster avec une satisfaction. Est-ce que tu as noté des choses qui t'ont déçu dans le lot? Oui, quand même. Alors j'ai pas fait la liste, j'aurais peut-être dû préparer ça, mais en premier lieu, il y a la traduction malheureusement très très mauvaise, qui a totalement été... automatisé avec un traducteur automatique, quoi. C'est du Google Traduction, je pense, derrière. J'ai l'impression aussi, parce que ouais. Parfois, il y a des choses qui m'ont complètement surpris. On voit que c'est le son qui a servi à traduire, point barre, on ne sait pas compliqué. Oui, alors ça, j'ai demandé, effectivement, c'était une bonne remarque pour les sous-titres des cinématiques. C'est un logiciel de speech to text qui a été utilisé. Ça s'entend, ça se voit. Ouais, donc effectivement, on a quelques petites. Mais le logiciel, on n'est pas trop mal tiré, j'ai l'impression, parce que c'est mieux que certaines traductions sur les noms des items ou dans les menus. Oui, ouais, moi j'étais content enfin de voir des lingots au lieu de barres. C'est vrai que ça correspondait bien. Voilà, il y a des petites choses qui ont été bien faites. Là aujourd'hui, j'étais sur le tombeau de Tiokan et j'ai vu une belle faute de français. Ben, j'ai dit voilà, encore une fois. Bon, est-ce que ça sera corrigé? Je n'en sais rien. On avait un peu d'espoir là pour le patch. Ben, il n'en est rien pour l'heure. Non, malheureusement non. Je pense, j'ai pas le droit d'en dire trop. J'en sais un peu là-dessus. Effectivement, je t'avais teasé un petit peu le fait que. On travaillait sur la correction de la traduction, on avait totalement terminé, tout a été envoyé, et on s'est rendu compte finalement que dans la sortie du premier patch, il n'y avait pas de traduction française intégrée, alors que ça avait été intégré avant la sortie du patch, oui. Notamment sur la version Epic Games qui avait été traduite français correctement. Ce serait pas mal quand même. Hein. Voilà, mais malheureusement, vu qu'ils l'ont retiré à la sortie du premier patch, qu'ils ont corrigé la version Epic, je ne suis pas sûr que la version traduite d'une meilleure façon par les fans soit retenue finalement. Donc oui.
Même pour les trophées, je crois qu'il y a quelques cafouillages qui n'ont pas fait forcément plaisir, puisqu'on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Je pense à... Moi, je pensais à Salle Insecte, je l'ai vu cette semaine, puisque j'étais sur le niveau du palais de Midas, et Salle Insecte, je disais, mais pourquoi ? Quand tout d'un coup, bug, insecte. Bug, ouais, d'accord, c'est pas du tout le sens. Nous, on l'avait retenu par maudit corner bug, je crois. Bah, oui, ouais, c'est, ouais, pour moi, c'est ça, c'est ce sacré corner bug qui nous permet de faire des prouesses. Alors, tu as créé Tomb Raider et compagnie il y a pas mal de temps maintenant. J'en parlais avec Rémi l'autre jour, puisqu'il était également interviewé et qu'il collabore à tes côtés depuis quelques années. C'était en quelle année, les tout débuts? Le tout premier site, c'était en 2013, en juillet 2013, je crois. Qu'est-ce qui t'a poussé d'ailleurs à faire un site à la base? Alors en fait, j'étais déjà avant admin sur un autre site qui s'appelle Pilleur de Tombes aujourd'hui, un autre site de la communauté française, et j'ai eu envie d'en faire plus, en fait, de prendre mon indépendance, et par contre je connaissais rien du tout au monde du développement web, et donc j'ai commencé par créer un petit site gratuit, c'est sur un outil qui s'appelle Jimdo. Oui. Donc voilà, j'avais créé mon site là-dessus. Puis après, j'étais vite limité finalement par les possibilités. Après, il fallait vite payer. Ce genre de site devient très cher quand on peut aller plus loin. Donc finalement, une autre personne de Tombocroft, Maxime, m'a aidé à monter ce site tombraider6.com avec un vrai nom de domaine. Derrière, c'est du WordPress pour pouvoir mieux gérer tout ça. Et donc voilà, je me suis lancé après là-dedans et c'était vraiment un plaisir. J'ai passé des heures et des heures à écrire les pages, etc., à les réécrire derrière, les améliorer. C'est vrai, hein, c'est un vrai travail d'investigation, de journaliste presque, hein, puisqu'on est à fond dans le jeu, on essaye de décrypter tout ce qu'on peut. J'imagine qu'il y a une petite ligne éditoriale derrière aussi, malgré tout, pour présenter l'actualité, mais aussi revenir sur le passé. Comment ça se passe justement ton travail? Alors on essaie effectivement, du coup maintenant je travaille plutôt seul, on est en équipe, hein, au fil du temps des gens m'ont rejoint, donc Rémi notamment en premier lieu, puis ensuite il y a eu Maë qui m'a rejoint pour le côté un peu rédaction, qui écrit beaucoup mieux que moi d'ailleurs, et puis ensuite on a eu très récemment Alexis qui nous a rejoint également pour s'occuper un peu des réseaux sociaux et puis écrire, mettre en page des pages, etc. sur WordPress, et donc on est quatre maintenant, ça demande vraiment beaucoup de travail. Notamment quand il y a de l'actualité, comme en ce moment, quand il y a beaucoup d'actualité, j'imagine que tout le monde est à l'œuvre. C'est ça, et en fait pour les news, effectivement, on essaie de les suivre, de les publier, de les mettre en forme, en page, etc. sur le site, mais c'est du travail qui prend beaucoup de temps, et donc voilà, en fonction de nos calendriers de calendrier pro, en fait, de travail, on s'est rendu compte qu'on n'a pas forcément toujours le temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé à Alexis de nous rejoindre très récemment pour nous aider à pouvoir relayer au maximum les choses sur le réseau, etc. Parce que j'imagine que voilà, vous essayez de couvrir l'essentiel des jeux. Il y a les Solus, évidemment. Ça, c'est l'un des éléments importants qui peuvent nous aider quand on est coincé, parce que je suis le premier à consulter une Solus quand j'ai oublié ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, ça t'arrive de te tromper en refaisant justement les jeux avec ce remaster, de se rendre compte que tu as oublié des trucs? Alors, je t'avoue qu'on a découvert avec Rémi 2-3 items qu'on ne connaissait pas, surtout en Terre 3. Là du coup à la fin des remasters, à la fin des niveaux, il y a le compteur d'items et on s'est rendu compte que il en manquait un à la fin et donc on a découvert de nouveaux items qu'on ne connaissait pas. Je sais pas s'ils étaient inscrits sur d'autres sites comme Captain Alban ou autre, mais en tout cas nous on les avait pas. Donc voilà, mais de manière générale les 3 premiers jeux je les connais assez bien, donc ça va assez vite effectivement, mais pour Rémi aussi. L'avenir du site, tu as des idées, des projets justement? Alors des projets, je sais pas trop. Moi, je voudrais toujours. Grâce à ce site, d'ailleurs, c'est vraiment génial. C'est que grâce à ce site internet, je suis devenu dans la vie développeur web, développeur front. Donc, c'est vraiment devenu mon métier au quotidien. Et au travail, je dois faire en sorte que nos sites deviennent accessibles. C'est-à-dire, l'accessibilité numérique, c'est le fait que n'importe quelle personne, aveugle ou non, puisse accéder à du contenu. Et donc, j'ai envie aussi que Tomb Raider 6 soit plus accessible. Et donc, c'est un des projets qui va. Ça prendra du temps, parce qu'il y a beaucoup de pages. Merci, on doit être autour de entre 700 et 900 pages avec les news intégrées. C'est énorme. Et sur WordPress, malheureusement, chaque page est indépendante. Donc c'est compliqué de devoir tout retravailler. Mais je veux faire en sorte que le code du site soit le plus accessible possible. Donc ça, c'est un des projets plus, qui concerne plus le site que vraiment un projet Tomb Raider. Ça me tient à cœur. Et après, derrière, pour les projets...
Ben on a envie de remplir un peu toutes ces parties. Il y a beaucoup de parties qui restent à remplir sur le site, à refondre. Les solutions écrites, voilà, avant la sortie du remaster, on était en train de commencer à les refondre avec les items, les sprites sortis du jeu, etc. On voudrait faire des trucs très complets. On a beaucoup de screenshots HD, fléchés, etc. On essaie d'être le plus exhaustif possible. Et ça demande du temps, on est bien d'accord. Voilà. Mais on voit que le site est bien actif et ça fait plaisir. Donc bravo pour ce travail. Merci d'avoir soutenu mes vidéos aussi. Hein. Je l'avais dit à Rémi, oui. Mais je te le dis à toi aussi, parce que je sais que c'était un choix que vous aviez fait, et bah, oui, ça aide l'air de rien de se soutenir. Avec grand plaisir. Donc là, maintenant, tu es dans l'expectative d'un éventuel remaster des deux ou trois suivants, tu y penses? Alors j'aimerais bien effectivement qu'un 4 et un 5 soient mixés ensemble dans un remaster du coup, et qu'un sixième derrière qui soit un peu plus peut-être indépendant, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de travail dessus. Mais j'aimerais bien, il faudrait voir un peu comment ça se passe, parce que du coup j'ai un peu moins d'espoir depuis que Cyber a annoncé le fait qu'il quittait le groupe Embracer, donc oui. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. L'avenir est entre leurs mains, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Beaucoup ont quand même cet espoir. Toi, c'est lequel, alors on a vu ton enfant chéri, ce serait le 2, celui que tu dénigrerais le plus, ce serait lequel? Que j'aime le moins, du coup alors le 5 est forcément l'un des moins bons jeux, bon, c'est même l'équipe de chez Core s'est soufflée un peu dessus, mais par contre celui que j'aime le moins dans toute la série, ce serait Underworld. Ah oui, si on prend l'entièreté, oui. Il a des très beaux décors, oui. Il est très beau graphiquement et tout, il tient encore très bien la route aujourd'hui sur PC, mais par contre j'aime pas du tout les animations, ce qu'ils ont fait de Lara, ce qu'ils ont fait du scénario derrière et tout, il y a vraiment rien qui me plaît dans le jeu à part les décors finalement. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui m'avait le plus emballé, les décors sont magnifiques, grandioses, et puis franchement on est sur sa fin. Quand on arrive au terme du jeu, je viens de lire ces derniers jours des commentaires de personnes qui ont regardé les vidéos ne connaissant pas encore le jeu et qui me disent mais ça s'arrête là, il n'y a pas un épisode d'après. Ben non, c'est terminé. Oui, c'est vrai que je comprends qu'il ne soit pas dans ton top 3 des préférés. Oui, y a de quoi. Et cette vraie fin qui était d'ailleurs exclusif à la 360 à l'époque, les deux DLC, je crois qu'il devait y avoir un projet de les ramener sur PC un jour, mais ça n'a pas vu le jour pour l'instant, donc je ne sais pas. Je ne les connais pas si ce n'est en vidéo. N'ayant pas de Xbox, j'ai été privé. Ah, t'as bien fait d'en prendre une. Eh bien Sly, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Là on était sur le niveau de la citerne. Tu en as des souvenirs toi de la citerne pour conclure? Un vrai labyrinthe de ce niveau, mais très sympathique. Tes premières expériences, tu te souviens le côté complexe? Parce que j'avoue que moi j'avais galéré avant de comprendre. Ouais, et on sait jamais où aller, il y a vraiment des pièges partout finalement, des clés à trouver dans tous les sens, on sait pas où est la bonne serrure, c'est un vrai labyrinthe. Ouais, un vrai casse-tête. Eh bien, et je sais qu'il avait donné du fil à retordre aux développeurs à l'époque. Oui. Parce que le système de montée et de descente d'eau avait posé des soucis dans le moteur du jeu. J'avais cru comprendre que certaines fois, il s'était retrouvé en dehors du décor, du fait de petits problèmes de programmation qui ne les amenaient pas là où il fallait. Ouais, parce qu'il faut gérer quelque part deux salles différentes, une remplie, une vide, quasiment. Donc c'est vrai que ça peut paraître simple comme ça à gérer, mais derrière, il y a un travail de dingue. Mais maintenant que tu es dans le monde de l'informatique, tu en as une certaine idée, je pense. C'est ça. Eh bien, Sly, merci beaucoup. Je souhaite très bonne continuation au site et à toute l'équipe qui est derrière maintenant, et à toi aussi. Et puis, on se dit à très bientôt. Oui, ça marche. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Christophe. Avec plaisir. Salut. Salut. Mais c'est que nous rencontrons des personnes très intéressantes. Qu'en pensez-vous à chaque fois que je vous propose ces interviews, je me régale moi aussi, et je crois que c'est votre cas derrière l'écran. La prochaine fois, on parlera podcast. Figurez-vous que j'ai été invité à participer à un podcast sur Tomb Raider qui sort cette semaine. Je vous donnerai des nouvelles dès sa sortie et nous aurons l'occasion de discuter avec le producteur de ces podcasts. Je remercie aussi les tipeurs de la semaine qui ont soutenu la chaîne via Tipeee. Mathieu, merci beaucoup pour ton très gentil message également, et merci à Lolo. Je vous précise par ailleurs que vous avez eu l'occasion de voir mon entraînement pendant que nous discutions avec Sly. Ça vous donne un petit aperçu des autres catastrophes qui surviennent lorsque je m'entraîne.
Et puis, vous avez eu l'occasion de l'entendre sur la précédente vidéo, le générique final assuré par Roi Couder, alias Anthony, avec qui nous avions discuté il y a quelque temps. Eh bien, Anthony a eu la gentillesse de nous faire un petit clip qu'il a minutieusement monté. Je salue ses talents, non seulement de chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il est bon dans tout, et même dans le montage. Regardez ça. C'est avec lui que nous refermerons les vidéos, hein, je vous l'ai dit désormais. Et c'est vraiment un plaisir de voir sa frimousse dans cette vidéo-là. Ah, et ne manquez pas d'aller sur la chaîne de Roi Couder, hein, vous avez le lien dans la description, ça vous permettra de découvrir toutes ses autres chansons. Merci encore Anthony, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle étape dans ce premier Tomb Raider. À la prochaine, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Salut. Morlock, Morlock, fais-y nous voir le Pérou. On se les gèle, y a des loups, des grizzlies dans ce tombeau. Les voyages comme c'est beau, les chauves-souris qui pendent. La neige comme un linceul, les grosses boules qui descendent. Directos dans la gueule. Morlock, Morlock, la belle grotte on y entre, et pouf un pieu dans le ventre. Et aux joies si tu sors, y'a un tyrannosaure qui mange pas que de la semoule. Y'a des sacrés nids de poules, c'est sale, ça pue, ça glisse, l'eau et je laisse un délice. Attention t'as plus d'air et l'autre grand con derrière, il te tire dans les gencives, toi tu sautes et t'esquives. Pendulerai ta méthode qu'on te la fait pas Morlock. Mais dans ce couloir obscur, tu te fous la gueule dans le mur. C'est intelligent. Morlock, Morlock, c'est peut-être pas le Pérou. C'est vieux jeune et pour nous, c'est peut-être encore plus beau. Les grizzlies dans le tombeau, les chauves-souris qui pendent. La neige comme un linceul, les grosses boules qui descendent. Directos dans la gueule.